Titoan Lamazou. Il suo nome deriva da Petit Antoine, piccolo Antonio, come veniva chiamato da bambino in Marocco, dove è nato. Lamazou significa la maison, la casa. Ho incontrato l'artista durante la sua mostra al Museo di Tahiti e delle Isole e gli ho chiesto di parlarci della sua pittura. De ma peinture, ah, c'est un vaste programme. Ma peinture, alors on peut dire que j'ai eu une vocation précoce, puisqu'à l'âge de 11 ans, j'avais décidé d'être un artiste, ne sachant pas exactement ce que c'était un artiste, mais je trouvais que le statut de l'artiste dans le monde des humains, vu de l'âge de 11 ans, ça me paraissait enviable comme situation. Alors un peu plus tard, j'ai pas prolongé mes études très longtemps parce que on n'enseigne pas beaucoup les beaux-arts dans l'enseignement secondaire en France, tout au moins. Et même quand j'étais aux beaux-arts, j'ai eu une deuxième vocation qui était une vocation qui était, je pense, inspirée par la lecture, les romans. J'aimais beaucoup les romans de ce qu'on appelle les écrivains voyageurs. Et j'ai eu une envie de mer, enfin une envie de connaître le monde des gens qui vont en mer. Et qui était parfaitement inconnu pour moi, et j'avais la curiosité du voyage, donc je suis parti en bateau stop dans les ports qui m'ont conduit aux Caraïbes, tout ça, où je vivais en apprenant à faire du bateau, en dessinant en terrasse des cafés pour faire des portraits, pour gagner. Et j'ai été embarqué à ce moment-là par un très grand marin, très connu en France, qui s'appelait Éric Tabarly, et qui était le plus grand marin français, et qui était un marin qui faisait de la course au large. Et j'ai appris le métier de marin à ce moment-là. Je suis devenu, pas par accident, mais devenu un marin professionnel pendant quelques années. Et jusqu'à remporter le premier Vendée Globe, c'est-à-dire il y a 30 ans, j'ai remporté le Vendée Globe, qui est la course autour du monde en solitaire, sans escale. Et à partir de là, je me suis dit, bon, c'est bon pour le côté marin, je retourne à mes pinceaux. Et j'ai passé ma vie à voyager autour du monde, à faire ce qu'on appelle des carnets de voyage, si vous voulez, et qui sont une matière de peinture qui est en fait une peinture qui peut ne pas être jugée spécialement contemporaine, parce que c'est induit par le voyage. Il faut avoir des petits formats, il faut se promener dans le monde. Et aujourd'hui, cette peinture évolue un petit peu plus vers un retour à une peinture avec des plus grands formats. Peinture d'atelier, mais ces ateliers sont toujours, aujourd'hui mon atelier est à Tahiti. Voilà, donc je m'inspire de mes promenades dans les îles et je reviens, voilà. Et une marque de mon travail pictural est aussi une curiosité aussi de ce que j'ignorais, c'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, je travaille avec des chercheurs scientifiques, qui soient dans les sciences humaines, anthropologie, sociologie, historien, etc., ou des sciences dites dures, qui sont les sciences naturelles, océanographes, écologues, etc. Voilà, c'est un travail partagé, et tous ces sillages de ma vie, je les réunis aujourd'hui dans un projet, un vieux projet dont je parle depuis 30 ans, qui est de faire construire un bateau atelier, et qui va accueillir justement des artistes et des chercheurs pour faire un travail commun. Et donc un atelier où je trouverai la solution, c'est-à-dire d'avoir un atelier fixe comme tous les artistes, mais qui bouge, qui est en mouvement. Voilà, mon atelier sera en mouvement. Lasciamoci accompagnare da questo straordinario artista attraverso le isole polinesiane e cogliamo, grazie a lui, la bellezza e l'intensità dei loro colori.